Salut à tous et bienvenue pour ce sixième épisode de cette série sur Total War Attila, le vent du nord, avec les Geats, une faction scandinave, on va dire. Et après mûre réflexion, je vais peut-être attaquer cela, Durocortorum. J'hésite vraiment, hein. Ils ont quand même pas une armée de minables. Combien de tours avant que ma flotte se refasse? Putain, ouais. Énormément de tours avant que ma flotte se refasse vraiment une santé digne de ce nom. C'est quand même long. Ah, les ruges. Est-ce que je fais du commerce avec vous? Diplomatie. Les ruges. Ah, je fais du commerce. C'est bien. Ça me plaît. Ok, on pourrait pas faire vraiment des petits accords alliance. Non, ils veulent pas. Et les ruges? Qu'est-ce que j'ai? Prévision de commerce, pacte de non-agression. Ouais. Alliance? Ouais, ils veulent pas. Personne ne veut faire une alliance avec moi. Tout ça parce que je suis une grande puissance, c'est ça, hein? C'est quoi ce racisme? Avec des soldats limitanés. Attendez que je regarde. 30 en attaque en mêlée, je les bats. Défense en mêlée, 32. 32, 32 en défense et dégâts en mêlée. Dégâts en mêlée, 20. Non, dégâts en mêlée, 20, 32. Défense en mêlée, 20. 53, 93. 33, 93, ouais, ils ont bien plus d'armure, logique, eux ils ont du code de maille. 31, 33. 34, 34. Tous guerriers. Avec un peu de cave en plus, ouais, mais dans le dos. Tuk tuk tuk. Ah, y a pas de baliste dans le coin. J'aurais bien voulu avoir des petites balistes pour tenir le coup. Ça m'aurait pas mal arrangé, cette histoire. Je regarde, je réfléchis. Je réfléchis à ce que je vais faire. Faut vraiment que je réfléchisse à ça. Ville, bah, on va réparer, ça coûte que 38. Avec mon argent et tout ce bazar, faut vraiment que je réfléchisse à ça. Je vais peut-être tout rassembler en une seule et même armée là-haut. Je pense que ça serait pas mal. Là, je suis à plus 5. Je vais tout rassembler en une seule et unique armée. Surtout que j'ai cette armée-là qui m'est... Mon général n'est pas très doué à ce niveau. Donc on va tout rassembler en une seule et unique armée. Alors, vous... Hop là, hop. Parfait. Toi, tu reviendras... Un tour. Toi, on ira là. On peut pas parce que certains ont fait leur marche. Toi, s'il te plaît, on va tout rassembler en une seule armée. Boum. Voilà. Et toi, tu retournes là-bas au prochain tour. Il y aura un peu de malheur, mais c'est pas grave. Là, avec une seule et même armée, ce sera déjà un peu mieux. Donc, j'ai pas besoin d'avoir des petites garnisons un peu partout. Une seule et même armée... Ça fait pareil, ça fait la même présence militaire, si je dis pas de bêtises. Cette armée, elle me tente bien de les attaquer. Ça me tente bien. On va passer le tour. On va passer le tour. J'aimerais bien que cette armée reste ici. Ça m'arrangerait énormément. Si elle pouvait rentrer dans Durocortorum, mener le siège m'arrangerait énormément. Ou alors j'attends l'hiver. Je suis en automne, attendre l'hiver pour les attaquer. Et avoir mon super bonus de la mort. Ouais. On va faire ça. Essayer d'attaquer cette armée en hiver.
pour avoir mon bonus qui me donne plus 10 de morale lorsqu'il neige, je crois que c'est ça mon bonus. En plus d'être en soi immunisé contre la neige. Donc c'est deux bonus parfaits. Je n'ai pas encore utilisé à fond cette capacité. Ce qui fait qu'en plus avec la neige, eux, ils ont perdu des hommes. Et moi, j'aurai le moral en plus. Et sérieusement, ça, c'est un bonus qui peut faire la différence, étant donné que ainsi, je les battrai largement au niveau du moral, avec le plus 10 au moral. Qu'est-ce qu'ils font le... Je sais pas. Je sais pas, eux, je sais pas ce qu'ils font. Qu'une idée. Les angles, ok. Il bouge. Non, mais en rassemblant tout en un seul coup, si un jour les Burgondes veulent m'attaquer, je serai présent. J'aurai vraiment une force un peu plus dissuasive. Tiens, ils ont bougé, eux. Alors, chantage. Un rival sans scrupules a répandu des rumeurs au sujet d'un membre de votre famille. Faites-le taire. Alors, j'ai 24 d'influence. On va... Trait obtenu, non favori. On va ignorer. Fonction sécurisée, d'accord. Eux, ils perdent la vie. Lui, il va en perdre. Ça sera pas trop mal. Je pourrais attaquer et avec cette armée-là, avec ma flotte, les empêcher de traverser. Ah, il y a de l'idée là. Ah, il y a de l'idée. Prendre ma flotte. Ma flotte. On va les bloquer. On va définitivement bloquer cette zone. Pour empêcher que cette armée parte vers Londres. Et moi, avec cette armée-là, je vais aller attaquer la Grande-Bretagne. En attaquant la Grande-Bretagne, je serai en guerre contre les Eblani également. Si je peux faire un pacte de non-agression avec eux, ça m'arrangerait. Il y a assez de nourriture pour... Ah, ils ont rejeté. Ils ont rejeté mon pacte de non-agression. Bien, c'est pas grave. Déjà, avec cette armée, on va déclarer la guerre. Voilà, on est en guerre contre eux. Non, mais toi, tu attaques, hein. Définitivement. Voilà, on va pas faire le siège, hein. C'est bon, hein. On a gagné. Voilà, au revoir. On va occuper. Parfait. Leur gouverneur est mort. Mon général prend du galon. On va faire quoi? Ouais. Pour la cavalerie, c'est pas trop mal. Ouais, ça c'est inutile. Ouais, pour la cavalerie, ça pourrait être très très bien ça. Revenu par le pillage. On va mettre à fond la cave. On va mettre à fond la cavalerie. Comme ça, ici, ils sont bloqués. Ils vont être affaiblis par l'hiver. Ça va donc m'arranger grandement. Wow, c'est pas ça que je veux faire. Le bouton, s'il te plaît, la caméra. Voilà. Je peux réparer ça et réparer ces deux bâtiments. Très bien. Eux, ils sont normalement bloqués. Ils ne peuvent plus traverser. Et s'ils m'attaquent, je ne pense pas que ça soit en leur faveur de m'attaquer une flotte réellement offensive. Ça coûte combien l'entretien? Ouais, je vais en recruter un quand même. Je vais recruter un navire. Parce que voilà, je préfère quand même. Ici à Londres, je vais peut-être recruter des troupes. Recrutons, recrutons. Je vais recruter quelques unités afin de tenir Londinium s'il m'assiège. Parce qu'en prenant ces villes, je vais gagner plus de revenus. Donc c'est tout bénef pour moi. Ici par contre, là,
Ça va pas du tout. Ouais. Et le bonheur qui peut pas monter. Toc toc toc. Païanisme germanique 0%. On va mettre influence, puissance de machin. Afin d'essayer de monter un peu le paganisme. Cette armée, j'attends de voir ce qu'elle va nous mijoter. Bon, vous, tu rentres. Toi, tu rentres également. Et toi, tu rentres également. Voilà. Ça y est. On a une armée. On a une, globalement une petite armée sympathique ici. Au cas où on nous, au cas où on nous attaquerait. Voilà, là c'est bon. Il n'y a que cette armée pour la Grande-Bretagne qui soit vraiment inquiétante. Je trouve. Ici. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Là. Si toi, je désactive les impôts. Je gagne 4 en bonheur. Et en soi, au revenu, ça change pas grand chose. En soi, ma flotte là, je la laisse ici, mais après, je la réenverrai à Rogamagus. Pourrais-je lever à un général? je pourrais, j'ai les revenus, mais ça coûte trop cher là. Ça coûte une blinde! Diplomatie, voilà. Est-ce que ça va baisser avec les autres? Je suis en guerre contre eux. En Bretagne, je suis en guerre, c'est normal. Eux, ouais, ça change pas trop. Les Romains. L'Empire romain. Ça devrait se monter un peu. Est-ce qu'ils accepteraient une paix? Ouais, ils veulent pas. Ce n'est pas grave. Dans tous les cas, on va passer le tour. Et on va voir ce que vont faire les Britanniques. Attendez qu'on va les appeler comme ça, hein. C'est la Grande-Bretagne, donc c'est les Britanniques. On va les appeler comme ça, on va pas se casser la tête à trouver un nom alors qu'il en existe. Non, franchement, j'attends avec impatience de voir ce que me mijotent les Britanniques ou les Bretons. Pff, on s'en fout, à vrai dire. Nos ennemis, voilà, c'est plus général. En tout cas, on peut dire que la légende du roi Arthur, en soi, c'était, d'après ce que j'avais lu quelque part, la roi Arthur s'était tourné autour d'un gouverneur romain qui se trouvait, qui avait le contrôle de la province de la Grande-Bretagne. L'obscurité s'épaissit. Les Allemands, ok. Et ils avaient... Et il avait réussi à tenir en respect les peuples barbares qui avaient débarqué sur l'île de la Grande-Bretagne. Et il y a toute une légende qui s'est tournée après et qui a ensuite fondé la légende du roi Arthur. Ils ont réussi à débarquer? What? Ma flotte, elle sert à rien alors! Ce délire, quoi ce délire? Alors, Herolt. Alors, nous avons trouvé une grande réserve d'or cachée dans une grotte alors qu'elle combinait. Qu'allons-nous en faire? Cela pourrait alléger les dépenses militaires pendant au moins un temps et même servir à engager les mercenaires. Le peuple mérite de profiter, distribuer des rien. On va le donner à l'armée. On va le donner à l'armée. Il nous faut une armée. Digne de ce nom. Wow, comment ils sont pas venus. Cet irrespect. Cet irrespect total. Ma flotte a servi à rien, quoi. N'importe quoi. Non, mais franchement. Je comprends pas, quoi. C'est. Bizarre. Très bizarre. Je n'ai pas compris. Pourquoi? Pourquoi? C'est. Je comprends pas. Bien. Maintenant,
On va faire un petit échange technique entre nos deux armées. Toi, tu vas là-bas et toi, tu vas à Londres. Voilà. De cette manière, on va pouvoir... si cette armée... attends, mais cette armée... Ah, ouais, mais de toute façon, je pouvais pas l'attaquer. Elle était hors de portée. Je me dis, ah, j'aurais pu l'attaquer. Ouais, mais elle était dans tous les cas hors de portée. Bien dommage. Ici, nous avons une armée des Eblani. Ouais. J'attends de voir ce qu'ils vont faire. Reconvertir, ça coûte une blinde. Tous ces bâtiments romains, ça coûte une blinde à reconvertir. C'est un truc de fou. De toute façon, ici, je peux pas recruter. Mercenaires. Aucun mercenaire digne de ce nom. Ce n'est pas grave. Hein, ce n'est pas grave du tout. Ici, on va alors désactiver ça. Voilà. Alors, ici, j'ai pas encore assez de croissance pour faire le bâtiment que je voudrais, pour avoir le bois. Puits d'argile. Ouais. Industrie bof. Sculpteur sur os. Onagre, oh, sculpteur sur bois. Pas mal. Ouais, mais bof. Non, on va garder notre argent pour vraiment s'en servir quand il faudra. Est-ce que j'ai... Non, j'ai toujours personne. Toujours personne. Bien dommage. Mais s'ils m'attaquent ici, à Londres... Mes murs sont à 100%, donc je leur souhaite bien du courage pour m'attaquer. Bien. On va donc pouvoir passer le tour. Et voir ce qui va se passer. Ah là là. Cette histoire est assez dingue. Je me demande vraiment ce que vont faire mes ennemis. En soi, il n'y a que les, mes ennemis, c'est la Grande-Bretagne, les Jutes, les Eblani et les Romains. Les Romains, en soi, je m'inquiète pas trop d'eux. Je pense qu'ils ont suffisamment de problèmes chez eux pour qu'ils puissent réellement contre-attaquer. Ils ont bien essayé à un moment, on avait vu qu'il y avait des généraux, mais voilà, hein, c'était des généraux. Et c'est pas avec des généraux qu'on gagne une guerre, c'est avec des soldats. Donc, ce qu'ils faisaient, c'était inutile. Là, j'attends de voir ce que vont faire les Bretons. Je ne sais pas du tout. J'ai pas regardé si on les avait passés, les Bretons. J'ai vu les Eblani. C'est vrai qu'il y a les Burgondes aussi, je compte qui je suis en guerre. C'est vrai. Mais la Grande-Bretagne, je sais pas, j'ai pas remarqué. C'est vers la fin, eux. C'est vrai que c'est pas une nation qui se trouve à l'origine. Donc c'est parmi les dernières factions qui bougent. Je suis pas sûr. Ah voilà, les grandes Bretons. Ah bah ils ont pas bougé. Ok, les Bretons n'ont pas bougé. Tiens, des séparatistes romains. La vie ne fait pas discrimination dans sa cruauté. Eh merde. Dommage. Trésor caché, ça me fait quoi? Entraînement militaire pendant 3 tours. Ok. C'est pas terrible. Et ici, j'ai fini... de faire les traditions locales. On va donc partir sur les spécialisations des métiers pour avoir ordre public plus 1 à la fin. Toi, on désactive ça. Lui, il s'est retranché. Très intéressant. Touk, 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 touk. J'aurais bien l'attaquer, lui. Ça me plairait. Ici, le bonheur, c'est pas ça. Ici non plus. Ils sont... nulle part où le bonheur est vraiment appréciable. Mais avec cette histoire, je pourrais normalement recruter un nouveau gouverneur. Ouais, je peux en mettre un. Lui. Ok, tireur appliqué. Ouais. Sage. De recherche est pas trop mal. Et lui aussi. Et ben on va le mettre ici. C'était pour lui, là. Belgica. Belgica, Belgica, en Belgique. On va mettre un édit.
On a quoi? On n'a pas de paganisme, ok. Et ben on va essayer de développer le paganisme. C'était quoi? C'était... Voilà. Puissance de Tig. Influençons le paganisme. Ah, 2,3%, ça monte très bien, parfait. Bon, cette armée-là. Qu'est-ce qu'ils ont ici? Ah, ils ont quand même des corps. Ça, c'est pas trop mauvais, quoi. C'est même excellent. Et je n'ai pas vraiment d'unité pour vaincre les corps. Si j'avais une baliste... Pas de baliste dans le coin. Ah, vraiment pas. C'est bien dommage cette histoire. Ils sont 17, ça ferait une grosse bataille. Je suis pas sûr de la gagner à cause de leur corps. Ils ont aussi des Cominaten 6 qui apparaissent. Qu'est-ce que j'ai comme unité? Les mercenaires à la hache, ça c'est excellent contre les corps. Et quand je dis que c'est excellent, le mot est faible. On va le recruter. Et on va tenter la bataille. C'est chaud, c'est chaud, c'est tendu. Ah mais en fait ils en ont pas tant que ça, ils ont beaucoup. Bah, c'était pas classé, c'est tout. Ah ok, j'ai eu peur. Ah, finalement, je pourrais peut-être la gagner. Peut-être. Si j'avais une baliste, mais ça m'aurait plu. J'avais pas idée. Bon, allons mener la bataille sur le champ de bataille. Un peu tendu là. Avant juste avant la bataille. Ok, alors en fait, il a que deux unités de corps à corps. Le reste, c'est des lanciers. Ça marche. Donc mon unité de mercenaires, je sais contre qui l'envoyer. Deux unités de cave seulement. Pour cette armée adverse. Moi j'en ai trois. Va pas falloir que je la gaspille inutilement. Il faudrait que j'arrive à la gérer au mieux. Pour gagner cette bataille. Qui s'annonce décisive pour cette guerre contre la Grande-Bretagne. Aïe, pardon, j'ai tapé mon micro. Désolé. Faustus Scaevola. Cette armée, je profite aussi qu'elle soit affaiblie. Commençons le déploiement. Si j'avais attaqué en hiver, ça aurait été bien mieux pour moi. Regardez-moi tout ça là. Ouais, 6 tours, c'est énorme, 6 tours. Énorme. Heureusement que j'ai 3 unités d'archers. Bon, les archers, là, c'est une évidence. On va leur demander de tirer sur leur tour. Ok, eux on va les mettre, on va les envoyer avec la cave ceux-là. Et le général, ici. Commençons. On va leur tirer dessus là. Eux ils se sont mis en formation tortue évidemment. Je crache sur votre honneur, bande de bâtards! Ah, le gars, quoi. Comment il m'insulte! Dispersez-vous! Je suis pas sûr de pouvoir vraiment faire grand chose contre eux. Heureusement que leur tour est complètement nul, en fait. Ouais, ils ont mis des. Leurs troupes en formation tortue partout.
clairement un avantage pour eux. Clairement. Je sais pas pourquoi, mais cette bataille, je pense qu'elle va être très tendue. Ces unités en formation. Pour avoir joué avec, je sais que ça peut faire très très mal, que c'est très efficace. Je le sais. Je parle par connaissance de cause. Allez, brûlez-moi cette tour, s'il vous plaît. Après, on ira brûler l'autre. Allez-y. Vous, on va pas gaspiller une... Ah, parfait. Boum. S'il vous plaît, allez hop, cette tour est fichue. Inutile de tenter de la cramer. Mais de toute façon, en fait, j'oublie un truc. C'est que mes unités peuvent détruire les murs. Oh! Non! À ce point? Ça se propage à ce point. Waouh, sans deck. Ah ouais, leur mur en soi, c'est bon là. La formation tortue, elle va être complètement défaite. Ah, je pensais pas qu'elle allait que la passivité SAD allait cramer à ce point. Lol. Ah, je rigole bien. Alors bon, normalement, un homme normalement constitué se trouvant à 30 cm du mur, il crame, hein. Là il crame, hein. Franchement, là, c'est... Faut pas chercher midi à 14h, le gars, il meurt. Bon, quand est-ce que c'est fini, leur camp, là? Allez, cramez-moi cette tour, s'il vous plaît. Et quand est-ce que leur mur s'effondre? Ce serait sympa de savoir ça. Ouais, finalement, ouais, de toute façon, en soi. On va approcher notre armée. Ouais, on va faire un premier groupe. De toute façon, après, je démontrerai le groupe. 54%. J'espère avoir assez de flèches. Bon. Leur mur là. Il y a quand même des mecs qui meurent. Ils meurent à cause des flammes. Ah, ça y est. Le mur s'est effondré. Magie. Ah, ici ça se propage aussi. Aucune idée. Ici on en est presque. On y est presque. Ah, je pense pas avoir assez de flèches pour. Ah, par contre, le mur, lui, il crame. Ah, ça y est. Ça y est. Stop. Stop. Seul lui a le droit de tenter un petit coup contre ça. Contre leur... une salve contre leur pilleur. La tour ennemie est en ruine. Parfait. Voilà, c'est comme ça qu'on détruit un truc. Ça leur fait des gros trous à défendre maintenant. Hein, pour ces messieurs. C'est parfait pour ma pomme. Bien. On va accélérer. Pour que ça puisse s'effondrer plus rapidement. Et je vais pouvoir ainsi passer à l'attaque. Où est leur unité de cohort? Cohort, ici, c'est derrière.
se sont mis en disformation dispersée, ouais, s'ils veulent. Tiens, vous aussi d'ailleurs. En soi, ça ne sert plus à rien de rester en formation serrée. Ma cave. On va se mettre ici. On va mettre nos tirailleurs devant. On va commencer à se positionner. Là, parfait. On va mettre notre unité là ici. Ouh. Par là. Ici. Non, toi tu vas là. Je t'ai sélectionné par erreur. Attendez, on va se remettre en vitesse normale. Parce que là, ça va un peu trop vite. Je trouve. Ici, vous. Par là-bas. Tu fais ça, c'est ta second souffle. Ok. Bien. Nous allons donc pouvoir commencer l'assaut, je pense. Exploratores. Bien. Ils ont quoi? Menace élevée. La blague. Sans deck. Là, avec les deux tours qui étaient importantes à détruire en moins. On va vous mettre là, vous. Vous allez encaisser les tirs de leur unité de tour. Ça peut être pratique. Et maintenant, là c'est quoi? C'est leur général, là. On garde Palatin. Qui a eu des dégâts minus. C'est minable. Bien. On va pouvoir y aller. Ah, les dieux veulent du sang. Les dieux veulent du sang, peut-être. Moi, je veux surtout... une victoire à la fin. Toi, tu peux rêver, je te tirerai pas dessus. Enfin, je ne chargerai pas dessus. C'est ce que tu veux. Mais je ne te ferai pas cette joie. Une unité a tiré toutes ses munitions. Hein ? D'accord. Là, en courant, c'est mieux, quoi. Parfait. Non, vous. Allez, une petite charge. Une charge sur leur dos, s'il vous plaît. Pour éliminer les unités le plus rapidement possible. On y va, messieurs. Vous, hop hop hop, on y va. On va caper avec ça. Tant que ça sert à rien. Ici, c'est bon. Ici, ça va partir en déroute normalement. Allez hop. Sur leur unité. Ma cave. Faudrait qu'on arrive à passer là-dessus derrière. Allez hop, on y va, on charge dans le dos de leur général. Le tuer, ce serait ce qu'il y a de mieux à faire. Ici. Hop, on y va. Vous. Parfait, hop, on y va là. Hop, 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 hop. Ah, ils font mal, eux. Allez hop, sur les corps. Hop hop hop, on y va. Hop hop hop. S'il vous plaît. Messieurs, hop, on charge, on tire là-dessus dans le dos là. Tirez dans le dos de leur lancier Cominatensis. Ça serait pas trop mal. Les femmes sont brisées et s'enfuient.
Tuez leur général. Le général ennemi est mort. Oh yeah. Yes. Yes. On recule. Oh super. Oh yes. Oh oui. Ça y est, c'est fini pour eux. Toi, on va te garder en réserve. Ça y est, ça s'effondre. Ça s'effondre totalement. Ah bah ça, avec leur général mort, ça on peut dire qu'on a pris l'ascendant. Allez hop hop hop. Toi tu vas là-dessus. Toi là-dessus. Ouais. Oh mon général. Enfin mon gars là. Chien. Allez, plus de morts possible s'il vous plaît. Les lanciers et tout ce bazar. Le plus de morts possible. On va accélérer. Pour pas perdre de temps. Avec cela. Allez. Avec mes archers, ça peut faire énormément de dégâts ces trucs-là. Lorsqu'ils poursuivent des ennemis. Et leur tour, même lorsque leur armée est morte, leur armée fait plus énormément de dégâts. C'est en soi, c'est à mon avis leur tour qui m'ont fait le plus de pertes que toute leur armée réunie. Ok, ici c'est bon, on les explose. Là, ici, les soldats limitanés sont encore très nombreux là-dessus. On s'éloigne, allez. Allez, allez, allez. Et puis on y va au cac, hein. Merde, hein. Allez, hop, 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 hop. Mais heureusement que c'est des unités qui sont beaucoup plus légères que les leurs. Ce qui fait que je les rattrape. Bon, ici, je pense que c'est mort. Mais je pense que j'aurais tué pas mal de survivants. De personnes qui auraient échappé au massacre dans le camp. Ah mais vous arrivez à les tuer ceux-là ou pas là? Ouais c'est assez long. Bien. Ouais ça fait rien. Ouais, bon on va arrêter là tout de suite. Hein. 917 pertes, eux 1266. Pfiou. J'ai gagné. Ah mais en fait, est-ce que normalement leur armée en soi, est-ce qu'elle pourrait ressusciter? Enfin, étant donné que c'était un fort, donc normalement ils étaient bloqués. Tiens, merde. Est-ce que j'aurais pas fait une connerie en essayant de continuer la bataille en ayant ainsi des pertes alors que c'était inutile? Bonne question. En tout cas, mes archers, même s'ils n'ont pas fait beaucoup de morts, hein, ils ont rien fait, leur capacité à avoir brûlé les deux tours qu'il fallait brûler, et ainsi, dans la même manière, brûler les murs de leur forteresse, c'est génial. Parfait, allez hop. Finalement, il a pas pu, enfin, il a pu survivre, le gars. En soi, je pourrais aller l'achever. Ouais, c'est ça, il aime moi. Ouais, je pourrais. Toi, par contre, on va vite demander à ce que tu rentres à Londres. Parfait. Et toi, on va aller achever le travail commencé. Boum! On achève le travail contre cette armée des Bretons. Quoi? Il est pas encore mort lui? Vraiment là. Vous appelez ça une garnison? La tribu. Allez bon on y retourne. Oh, mais sérieux quoi? C'est bon? Ah là!
Ils ont eu ce qu'ils méritaient. Et en plus, pile au moment où, où le chrono il va me dire stop, arrête-toi. Voilà, arrêtez. Je l'ai même pas laissé parler. Boum. Et maintenant, on rentre définitivement à Londres. Mais bon sang, je t'avais dit de t'arrêter, toi. Mais finalement, il m'a quand même sonné. En tout cas, là, avec ça, là, mais... C'est pas mal. Alors, croissance horde. Ouais, c'est pas trop mal, ça. Ouais. En soi, c'est pas très utile. En faisant ça... Ouais, ici, de toute façon, il faut que je le fasse tôt ou tard pour débloquer d'autres trucs. On va le prendre. Voilà. Et ainsi, il restera plus qu'à prendre Lindum. Pour achever le travail à ce niveau-là. Alors. Ouais, là on attaque, ouais. Attaque en mêlée, défense en mêlée, on prend ça. Parfait. Voilà. Ça c'est bien. Ça j'apprécie. Et notre flotte continue de se faire une santé. Ah, en ayant pris cette ville et en ayant éliminé cette armée de la Grande-Bretagne. Ça permet de respirer un peu. Il ne restera donc plus qu'à prendre Lindum. Le temps que mon armée se refasse une petite santé. Tant que là, elle a pris quand même assez cher. Quoique, en fait, au niveau du corps à corps, ça passe. Mais après, au niveau des archers, ils ont pris très cher. Surtout de la cave. J'ai perdu une unité de cave, ainsi que une unité d'infanterie, d'unité en relais nordique. Recruter, ouais, je vais pas le faire. Hein. Avec cette armée, normalement, j'ai de quoi prendre Lindum au prochain tour. En tout cas, on va s'arrêter là pour cet épisode. Nous avons pris Duror Cortorum. Le malheur, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Mais bon, un jour, ça descendra. Un jour lointain. Même avec ça, c'est passé. Différences religieuses, immigrants, tout hasard. Ouais, bon, de toute façon, là, je vais augmenter le paganisme, donc ma religion va monter, et là, je pars, je peux plus m'arrêter, et ben, on va s'arrêter là, définitivement. Allez, à la plus, et à la prochaine, portez-vous bien.